Rose, introduction à la communication, au travail, à la guérison avec les anges. Qui sont les anges? Ils sont dépourvus d'ego en priorité. Ils en sont dépourvus et ils ont un amour inconditionnel. Il suffit que chacun d'entre nous se mette en relation avec un ange et lui fasse la demande, soit par la prière, par l'écrit, par la parole, par d'autres médias, d'une sollicitation, et vous serez exaucés, et nous serons exaucés. Ils sont non confessionnels et arreligieux. Nous les aimons tous, et c'est vraiment quelque chose, nous pouvons être d'accord, ils nous aiment, et nous les aimons chacun. Dans les traditions monothéistes, notamment le christianisme, l'hébraïsme ou éventuellement l'islam, les anges existent, ainsi que dans les traditions polythéistes et aussi panthéistes, où, paraît-il, chacun croit en Dieu et le retrouve dans la nature. Demandez à ces guides spirituels dignes de foi et nous serons exaucés. Voici une petite évocation de quelques-uns de ces anges afin de vous mettre en communication avec eux. Art, communication, esprit vous présente cette petite vidéo. Vous retrouverez le listing des 72 anges sur le site internet http://artcomesp.hebergratuit.com ou art communication esprit http://artcomesp.idou.com. Bonne continuation, bonne approche avec les anges. Seiyah, 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 Seiyah. C-E-I-A, C-E-I-A, aide-nous, Seigneur, à prendre conscience de nos erreurs, afin que la douleur, porteuse de sagesse, ne soit déjà plus nécessaire, aide-nous. Un lourd karma gravite sur nous, et nous voulons ton aide pour nous en dégager en accomplissant les devoirs et obligations concernant nos proches, la société, c'est EIA. Car déjà, le fait de t'avoir pour gardien veut dire que nous soyons créditeurs de certains privilèges gagnés en faisant le bien, c'est EIA. Guide-nous, ange c'est EIA, pour que nous administrions avec prudence les biens que nous recevrons de toi. 18. Kaliel, 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 Kaliel. Kaliel. Kaliel, permet, Seigneur, que notre intelligence soit toujours au service des causes justes. Libère-nous de la tentation d'utiliser notre ingéniosité dans un vain étalage de nos facultés. Kaliel, lorsque tes forces nous feront aller au-delà de nous-mêmes, reste avec nous pour nous inspirer la prudence.
fait que notre logique soit ta logique, que notre intérêt pour les autres soit motivé par l'amour que tu nous offres à tous ceux qui ont besoin de toi. Kaliel. Ange Kaliel, fais-nous comprendre le monde dehors la loi. Kaliel. Et si nous devons les juger, nous sépare jamais de toi. Kaliel. L'éternelle bonté en priorité. L'éternelle bonté. Kaliel. Karam, Yeyazel, 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 réveille-nous, Seigneur, du rêve de la raison logique, afin que notre entendement puisse être fertilisé par des aspirations. Yeyazel. Nous voudrions offrir à cette société qui nous entoure une vision équilibrée de ton royaume. Permets-nous, ange Yeyazel, de nous libérer de nos ennemis intérieurs et extérieurs. Yeyazel, de nous dégager de tout ce qui nous retient prisonniers. Yeyazel, dans des niveaux inférieurs, Yeyazel, afin que, par le canal de notre âme, puisse circuler, couler et se répandre ton message. Yeyazel, les dons et les pouvoirs que tu veux nous accorder et qu'ainsi tout le monde ait pleine confiance en nous. Et que nous arrivons, donc, par ta grâce, à la vie élevée spirituellement, claire et paisible moralement, riche et prospère matériellement. Yeyazel.